adaptation express au championnat de France. Cummings avec ce ballon pour Miralem Halilovic qui a fait son entrée en jeu. On sent la confiance qui habite les champenois malgré les deux défaites en série en cours. Et Miralem Halilovic encore à l'intérieur face à la défense de Dante Grantham. David Michino. Miralem Halilovic qui va repasser par Michino qui est venu donner une solution à l'intérieur. Halilovic et Thomas Ginette qui n'y arrivent pas non plus. Et le ballon rendu par Nils Acko. Miralem Halilovic était en phase descendante. Dante Grantham. Et ça veut toujours pas pour l'Américain qui aurait été l'homme de la première mi-temps, du premier quart-temps même. Et derrière, il va décaler le passing game avec Scotty Reynolds. Ballon intercepté par les franciliens. Oh, la petite feinte de Miralem Halilovic. Avec Miralem Halilovic. Il a deux. Kolo à 3 points, il enchaîne. Nobel Bungu Kolo. Club de Betlic Elite lorsqu'il sera libre. Tout en pige. Miralem Halilovic qui attaque le cercle. 14 points pour Miralem Halilovic. À la deuxième meilleure attaque de Betlic Elite qui aura du mal à atteindre sa moyenne de 87 points par match. Nobel Bungu Kolo. Nobel Bungu Kolo avec l'écran de Miralem Halilovic. Il va retrouver le Bosnien à l'intérieur dans le trafic. Négatif, 3 victoires pour 4 défaites. Nils Acko tire un peu la langue là sur cette fin de match. La faute de Sele Banguet sur Nobel Bungu Kolo.